Un jeu vidéo, c'est fait pour nous divertir, non? Donc un jeu vidéo qui nous fait rire à cause de ses bugs. Il a réussi sa mission. Salut à tous les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur eFootball. Et vous le savez, la journée d'hier a été très compliquée. On était entre la colère, la tristesse et la colère. Et donc aujourd'hui, on va rigoler. On va un petit peu se détendre parce que bon, ça reste que du jeu vidéo. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer les meilleurs tweets des meilleurs bugs que j'ai vus. Et franchement, j'en rigole d'avance parce que j'ai des images en tête, c'est trop marrant. Donc je vais vous partager ça. Donc on va pas critiquer le jeu, ça je l'ai déjà fait hier en live, vous avez la rediff d'hier. Aujourd'hui, on va se détendre un peu et regarder des bugs qui sont franchement très marrants, mais aussi peut-être un peu très honteux si on se place à la place de Konami. Mais avant de commencer la vidéo, un grand merci à OneFootball qui, au-delà de sponsoriser cette vidéo, organise un concours. Le lien est dans la description. Il suffit de cliquer sur le lien, de remplir les quelques petites questions qui vous sont posées et vous aurez la chance peut-être de gagner une copie de FIFA 22. Pour pouvoir participer à ce concours, il faut bien sûr avoir téléchargé l'application OneFootball. Si vous ne l'avez pas déjà, vous pouvez le faire à partir du lien que j'ai mis en description. Elle est gratuite, elle est disponible sur tous les stores et elle est super cool pour suivre l'actualité du ballon rond. Allez, on y va pour se casser des barres. On y va. Casser des barres? Taper des barres. Ah merde. Ça se dit pas du tout casser des barres. Taper des barres. On commence par un de mes bugs préférés, franchement, c'est trop marrant. Merci à Selma d'avoir tweeté ça, tu m'as trop fait rire. C'est pour ça que la journée d'hier, c'était une journée pourrie, on va se le dire. Mais par moments, je rigolais un petit peu quand je voyais les bugs. Et celui-là, franchement, il m'a vraiment fait rire avec cet arbitre qui est complètement sur le ventre dans la pelouse. Et aussi, ce qui me fait rire, c'est le joueur de Chelsea qui applaudit. Donc le mec, il voit un arbitre dans la pelouse comme ça. Et sa réaction, c'est de s'en foutre et d'applaudir en fait. Donc voilà. Franchement, le bug est monstrueux. Ça me fait un peu penser à des bugs qu'on a vus sur FIFA où les joueurs étaient tous aplatis et qu'ils avançaient comme ça, aplatis et tous au sol. Là, c'est que l'arbitre. De toute façon, les arbitres, on les aime pas, donc c'est pas plus mal. Deuxième bug, et c'est Kini qui l'a souligné avec ce petit tweet assez péchu quand même, eFraudeball 2022. Ils sont tellement dans le futur qu'ils ont mis une étoile sur le maillot du PSG. Très très fort, Clownami, pardon, j'ai même pas capté. Ouais, ils ont mis une étoile sur le logo du Paris Saint-Germain. Donc le Paris Saint-Germain, pour le Japon, a gagné la Ligue des Champions. Et je crois que l'étoile a été enlevée pour l'Olympique de Marseille. C'est quand même très étrange cette histoire. Je ne comprends pas pourquoi ils ont mis une étoile sur le maillot du PSG. Je n'ai aucune explication rationnelle à vous donner par rapport à ça. Celui-là, il est connu, il a beaucoup tourné, notamment dans d'autres sites de jeux vidéo. Et ce Cristiano Ronaldo qui finalement n'est pas si mal modélisé, mais c'est l'expression faciale qui est catastrophique. On retrouve exactement les mêmes expressions faciales que les anciens PES. Et c'est vrai que là, cette expression faciale, elle est incompréhensible. Je ne saurais lire l'émotion de Cristiano Ronaldo sur cette expression. Je ne sais pas à quoi il pense. Je ne sais pas quelle est son émotion en fait. Je ne comprends pas comment on peut tirer une tronche pareille. Comment en fait complètement saccader un beau travail sur les modélisations par une animation faciale horrible. Celui-là, je l'aime bien, Zedark Wolf qui a fait un petit zoom sur la foule. Alors, il y a pas mal de tweets hein, sur la foule et effectivement, ça fait peur. Il a entouré quelques spectateurs, mais en vrai, il aurait pu entourer tous les spectateurs tellement cette foule fait peur. Je vous montrerai un petit peu plus loin dans la vidéo une autre image où on a une vue plus large de la foule et effectivement, c'est catastrophique en fait. On est sur PS5 et je vous rappelle que Konami a dit qu'il tirait le meilleur du potentiel de chaque plateforme. Donc ça veut dire qu'une PS5 ne peut pas faire mieux que ça au niveau de la foule. Là, on est clairement... C'est pire que Walking Dead. Celui-là, c'est un de mes préférés. Davos, je repense à ce texte. Quel foutage de gueule, c'est tellement lunaire. On va le relire. Tout a commencé avec l'implacable détermination de créer une expérience de football révolutionnaire. C'est vrai que quand on relit ça après coup, c'est bizarre. Le résultat final était encore plus impressionnant que ce que nous avons envisagé. Ça, c'est fort.
Ça, c'est fort. J'ai besoin de dire quelque chose ou pas? Non. Hein. Rappelez-vous le Messi photoréaliste qu'on a eu dans le teaser en 2020. Voici le Messi en 2021. El Victor, alors lui, est magnifique. Magnifique les screens. Il y a encore Selma d'ailleurs qui est là, qui est dans tous les mauvais coups. Regardez Cristiano Ronaldo. Non mais là, c'est l'exorciste en fait. Là c'est l'exorciste. Regardez l'image de gauche. Il a les bras au-dessus de sa nuque. Non mais... Il est possédé. T'as même Dextero.fr qui est quand même un gros compte Twitter à partager ces images. Quelle mauvaise pub. Monster Flair, très drôle. L'image de Messi à gauche, c'est l'image photoréaliste du teaser photoréaliste de l'année dernière. Et Messi de eFootball d'aujourd'hui. L'image de gauche, c'est la photo Tinder. L'image de droite, c'est la réalité. Ah ouais, c'est pas mal ça là. Actu Foot, pareil, un gros compte quand même. Et ce bras fou d'Otamendi qui a complètement la tremblote là face à Pépé. J'ai pas les mots, on va revoir. Regardez. Regardez le bras comme il tremble. J'ai jamais vu autant de bugs sur un PES, même sur aucun jeu de foot. Alors celui-là, je m'en lasse jamais. Moupro, qui est un compte certifié, donc je pense qu'il doit être pas mal suivi. Regardez. Cette simulation de skateboard, c'est Tony Hawk en fait le jeu. Non mais, regardez cette glissade, c'est même pas qu'il glisse, c'est qu'il est en lévitation et Moutinho aussi. Et après il finit par carrément transpercer Moutinho, c'est Mortal Kombat le truc. Ah regardez cette foule magnifique et réaliste. Et c'est très dupliqué, hein. Donc il y a le mec avec le gilet bleu marine dans le centre, il est présent sur cette image au moins trois fois. Par contre, ce qui me fait très peur, c'est les femmes au premier plan. Là, la blonde avec sa grand-mère défigurée. Et derrière, il y a un bambin en bas à gauche qui... Il y a le même bambin à droite, d'ailleurs, qui fait la même animation. Ouais, là on est sur des graphismes mobiles. Tu me présentes ça pour un jeu mobile, ça me choque pas. Pour un jeu PS5... Donc là, le roi Ouki... qui a partagé ça, regardez, le gars, je crois que c'est un joueur de la Juve, il veut plus jouer en fait. Voilà, il a pris le ballon dans les mains, il a dit c'est bon, on arrête cette mascarade. Mais qu'est-ce que c'est que ce bug, pareil, j'ai jamais vu, comment ça se fait que le ballon reste collé à la main et que le joueur tourne comme ça autour de lui. Alors on revient sur la foule, mais le tweet m'a fait rire, c'est plus PES mais la colline a des yeux. Ouais, c'est ça. Alors celui-là, dites à Play eFootball qu'ils ont remporté l'award du pire jeu en 2021 et en même temps, j'ai envie de pleurer. Alors, à une époque, eFootball était le meilleur jeu de l'E3 et aujourd'hui, eFootball est le pire jeu de Steam. Donc ouais, il s'est passé quelque chose d'assez grave. Et sur cette image, bon alors Messi qui se tord le cou derrière, bon, ça c'est classique on va dire, mais alors le bug à droite... Avec le joueur comme ça, tu vois plus son visage ni ses mains, tu vois plus que le costume, c'est incroyable, c'est exceptionnel. Alors attention, là c'est UFC, hein, c'est plus eFootball, regardez la bagarre entre les deux. Ah ouais, là, oh la mandale qui s'est pris. Regardez, là il le pousse, et là, la réaction. Oh là là. Ah c'est violent, hein. L'arbitre il a mis quoi là-dessus? Un jaune? Ah non, rien. Aïe. Ah d'accord, rappel à l'ordre. On va revoir l'action, à mon avis ça méritait quand même un rouge, hein, je pense. Regardez là, il l'attrape comme ça par le cou, il le défonce. Oh là là, il a monté en l'air. Regardez-moi ça, oh là 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 là. Oh le pauvre. Bah voilà, c'est tout pour cette petite vidéo de ces bugs, qui malheureusement, tous ces bugs sont énormément partagés sur Twitter. Vraiment, eFootball était carrément en tendance sur Twitter. Et quand on regardait les tweets, c'était que des tweets comme ça. Donc, c'est pas drôle, mais vaut mieux le prendre à la rigolade. C'est tout ce qu'on a aujourd'hui. Mais c'est clair que si j'étais Konami, ça serait, à mon avis, réunion de crise sur réunion de crise. Parce que c'est absolument terrible ce qui se passe pour eux. Même l'action Konami a chuté suite à cette annonce-là. Mais bon, nous, en tant que joueurs, on a que nos yeux pour pleurer et notre bouche pour rigoler. Et franchement, il y a des tweets qui sont trop marrants. Donc, je voulais absolument vous les partager. Donc, j'espère que ça vous a fait rire. Maintenant, il faut le prendre comme ça. Il faut arrêter de pleurer. Et puis se dire que voilà, le jeu est pas du tout prêt, qu'il est complètement buggé. Et du coup, il faut passer outre la colère
Et essayer de rigoler, là on peut rigoler, et je trouve que les tweets sont rigolos pour le coup. Donc s'il y a d'autres tweets comme ça qui me font rire, je les mettrai en favoris, et je ferai une autre vidéo plus tard, si ça vous plaît, si ce type de vidéo vous plaît. N'hésitez pas à me le dire dans la partie commentaire si vous voulez que je fasse une autre, ou je vais pas faire 20 vidéos comme ça non plus, hein, mais peut-être une autre ou une deuxième autre pour vous parler des bugs. Et puis aussi je ferai quelques vidéos sur l'actualité, parce qu'il y a quand même des choses à dire sur cette sortie d'eFootball, des choses qui sont pas forcément que négatif. Voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça soutient beaucoup la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner aussi pour pas rater l'actualité, ouais, bah, d'eFootball et aussi sûrement de FIFA 22, parce que je pense que je vais m'investir sérieusement sur FIFA 22. Et puis voilà, j'ai plus rien à dire. Bonne soirée, à très bientôt, salut.